même nu, avec un grand courage, nos pères ont conquis la liberté. Nous laissons un précieux héritage, il faut sans relâche consolider. Oh, les cœurs fiers ivoiriens, voici le RDR, raffermissons nos liens, ouvrons une nouvelle ère. De notre mosaïque d'ethnie. Oh, les cœurs fiers ivoiriens, voici le RDR. Raffermissons nos liens, ouvrons une nouvelle ère. Intégrité, justice, partage, rigueur et respect. Engage, rassemblement des républicains. Oh, les cœurs fiers ivoiriens, voici le RDR. Raffermissons nos liens, ouvrons une nouvelle ère. À quelques kilomètres de Niakara, dans le village de Ouregeka, les cadres ont félicité ces femmes qui, par leur travail, assurent la sécurité alimentaire du pays. Un accent particulier a été mis sur l'excision. Ils ont invité les autres cadres de la région du Yambol à participer à la lutte contre l'excision, une pratique qui déshonore la femme. Véhiculer également des messages au niveau de l'autonomie de la femme et de la dignité de la femme. Et cette dignité de la femme, elle va contre également l'excision. L'excision est un frein à la dignité de la femme. Nous véhiculons également ces messages-là auprès des parents, auprès des chefs de village, auprès des femmes elles-mêmes. Les femmes centenaires n'ont pas été oubliées. Ce jour où tout le monde entier célèbre la femme, une dizaine de coopératives agricoles féminines a reçu du matériel pour mener à bien leur activité. Pourtant, pour nous, je vous rappelle l'objet
l'enjeu essentiel de cette journée à Ourégué. Et le thème choisi pour cette journée est l'autonomisation de la France, le parrain à penser à l'ensemble des femmes qui sont structurées en coopérative. L'occasion de découvrir dans la suite du programme qui sera, n'est-ce pas, mené durant cette cérémonie. Nous sommes contents de vous compter parmi nous ici à Ourégué-Ka, ici à Ourégué-Ka ce mardi 8 mars 2016, pour cette journée dédiée à la célébration des femmes du monde entier et singulièrement à celle de pour l'importance que vous avez accordée à de modestes paysannes comme nous d'être avec nous ce grand jour de fête de la femme. Merci. Conseiller, j'ai trouvé une poche de pas avoir au moins un travail habituel avant la personne de. Et pour vous dire tout ce que. Nous sommes aujourd'hui frappés parce que... Éthique Bruno Nabanié-Koné, directeur général de l'ICT Consulting, parrain de la cérémonie de ce jour. Honorables invités, distingués chefs coutumiers religieux structures avec trois missions essentielles, dont la première est de faire la promotion de la politique d'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon. La seconde est d'être du bien-être de leurs parrains, tels que le volet social, qui consiste à aider les coopératives. Tout le monde, je vous dis bonjour. Je me présente brièvement. Nous serons les groupes main en main, la messe est invitée, nous aurons fait beaucoup de choses. Je ne veux pas être long. Je dis bien des choses à tout un chacun. Je que sa terre natale.
dans le monde à la recherche du savoir, performer son pile à lui. Il est le parrain de cette journée, de cette journée qui... À ce moment-là, oui. Voyons pourquoi, papa Yéhouté, mon cas gagné, au berrier qui n'a pas à la guerre, il est adapté à ça. Ma peau, Petro, il est adapté à ça. Et puis, il est Ouattara, Plouto. Marqué, Pépé, tout au cas quelqu'un qui peut tourner, ça m'a pris les mains. Et là, pour qu'elle peut pas, moi, plus fort, ma peut pas, et bien, qu'elle est ça arrête un seul moment pour célébrer, pour honorer, pour fêter les braves femmes. Et les braves femmes, c'est vous les femmes rurales, c'est vous les gens des coopératives, c'est vous les femmes qui faites l'agro-pastorale. Ce ne sont pas les femmes qui sont assises dans le bureau. C'est vous les vraies femmes, les braves femmes qu'il faut honorer, qu'il faut féliciter, qu'il faut fêter. Mais à propos de quel peu vous l'avez dit, vous partez, mon noé. Donc c'est Madame Kone Fatou, la vice-coordinatrice du club d'émergence 2020. Aujourd'hui, la femme est célébrée par le monde entier. Oui. Vous, les femmes de Niakara, d'abord, vos premières impressions? Bon, je crois que c'est une aubaine. On magnifie la femme, celle-là même qui donne la vie, qui a fait beaucoup pour l'humanité. L'humanité, voilà. Et vu tout ce que la femme a traversé, le non-droit au vote, l'excision, surtout généralement chez nous aussi. Je crois que je dis c'est une aubaine, c'est vraiment une aubaine pour la magnifique. Voilà, vous qui êtes les femmes de Yakaramadoumou, on sait ici que dans vos zones, l'excision et puis la non-scolarisation de la petite fille sont des mots qui minent. Au niveau de votre culture, est-ce que des actions sont menées pour mettre fin à cette fléau? Bien sûr, bien sûr. Il faut dire que nous menons plein d'actions. Il y a des ONG telles que CSI qui luttent contre l'excision au niveau de Niakara. Il y a beaucoup d'autres ONG. Et je crois que le club d'émergence 2020 aussi lutte contre ces violences faites aux femmes. Merci. Docteur Guibé Songuine, Daltier Séverin. Voilà, aujourd'hui vous avez décidé de célébrer les femmes du département de Niakaramadoumou. Pourquoi? Oui, alors nous avons souhaité que cette année, la Journée internationale de la femme, qui est une journée mémorable, que nous devons consacrer ne serait-ce qu'un seul jour dans l'année pour célébrer, fêter la femme. Parce que la femme est source de vie. La femme est également celle qui est le fondement du développement. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous avons voulu célébrer les femmes en milieu rural. En le faisant dans le département du Niakara, à Ouregeka et à Kadawolo, c'est de permettre justement à ces femmes rurales-là d'être célébrées, de comprendre que finalement on ne célèbre pas les femmes uniquement qu'en milieu urbain, dans les grandes villes, en Europe ailleurs, et qu'elles également sont des femmes qui sont honorables, des femmes que nous devons honorer, que nous devons fêter, dont nous devons être reconnaissants, ne serait-ce que pour nous avoir donné la vie et pour d'ailleurs nous soutenir, guider nos pas tous les jours, nous les hommes. Et c'est pour cela que vous avez dû constater que nous avons fait des dons, profitant de la Journée internationale de la femme rurale, nous avons fait des dons aux coopératives. Toutes les coopératives ont été invitées de tous les villages et toutes les coopératives ont reçu des dons en fonction des besoins qu'elles-mêmes ont préalablement exprimés, de sorte à ce qu'on puisse contribuer un temps soit peu à soutenir les différentes actions de développement en milieu rural. Et surtout en tant que cadre, nous ne pouvons pas être sourds à toutes les difficultés venant notamment du milieu rural des femmes. Voilà, on sait que la zone nord, principalement les villes de Niakara sont confrontées à des maux, à savoir l'excision et la non-scolarisation de la petite fille. Vous qui êtes engagé dans le développement, dans l'autonomisation de la femme, que comptez-vous faire en face de ces deux fléaux-là? Oui, déjà nous profitons de la Journée internationale de la femme
non seulement pour sensibiliser les femmes à rester comme elles l'ont fait en coopérative, en groupement, de nature à leur permettre de propulser la dynamique du développement, d'une part, mais d'autre part, c'est de véhiculer également des messages au niveau de l'autonomie de la femme et de la dignité de la femme. Et cette dignité de la femme, elle va contre également l'excision. L'excision est un frein à la dignité de la femme. Vous avez également cité d'autres mots qui sont également des freins à la dignité de la femme et à l'honneur ou à l'honorabilité de la femme. Et c'est, nous véhiculons également ces messages-là auprès des parents, auprès des chefs de village, auprès des femmes elles-mêmes, pour qu'elles puissent être sensibilisées, comprendre qu'il y a effectivement l'autonomie des femmes, l'autonomie qu'elles vont acquérir à travers les activités coopératives, agricoles, agro-pastorales qu'elles font et pour lesquelles nous les soutenons, mais également à être des femmes dignes, des femmes respectables et à être autonomes de façon générale, à s'autonomiser un tant soit peu des hommes, mais à être complémentaires, comme nous le souhaitons également, des hommes. Parce que c'est ensemble que nous bâtissons une nation prospère, femmes comme hommes. Il n'y a pas de ségrégation, ça c'est un message également. Il n'y a pas de message féministe à viser ségrégationniste. Et donc en célébrant la femme, c'est dire que ce n'est pas l'apanage seulement de la femme pour célébrer la femme. Nous également les hommes, on doit pouvoir aussi célébrer les femmes parce que nous avons des mamans qui nous ont portées et également nous avons vécu avec des femmes. Nous avons également des épouses dont nous ne vivons pas séparément. Un euro et une somme de 10 000 francs. Personnara et la bataille. Avec les ninjas de la B13. J'ai donc décidé de venir ici, à Tortilla, pour fêter avec nos mamans chéries, pour fêter avec toute la population de Tortilla, de la sous-préfecture de Tortilla. Aujourd'hui, la fête des mères, c'est le jour que le monde entier a retenu pour célébrer toute notre maman. Voyez-vous, il n'y a pas une seule personne sur cette terre qui n'a pas de maman. Et nos mamans donnent la vie, ou nous ont donné la vie. Nos mamans nous ont élevés. Nous devons les aider. Nous ne devons pas les abandonner. Nous ne devons pas les regarder souffrir. Voilà le sens de ma présence ici à Tortilla. Donc j'ai décidé de venir ici à Tortilla pour dire que désormais, les femmes de Tortilla, la population de Tortilla, vous ne serez plus seules parce que j'ai décidé d'être avec vous désormais. J'ai décidé d'être avec vous aujourd'hui et demain. J'ai décidé que rien ne sera comme avant. Voyez-vous, chère maman de Tortilla, chère femme de Tortilla, ensemble, on peut changer les choses. Si nous nous donnons la main, Tortilla ne sera plus comme avant. Le visage de Tortilla sera changé, métamorphosé. Donnons-nous la main. Organisez-vous. Le conseil que je vais vous donner, c'est de vous organiser en coopérative. Si vous êtes organisé en coopérative, sera plus facile de vous aider, de vous apporter des aides. Si vous êtes organisé en coopérative, vous serez plus solidaire. Et nous pourrons demander à toutes les bonnes volontés de venir vous aider.
devez nous apporter le matériel dont vous avez besoin pour transformer nos vies, pour transformer vos vies, pour que nous puissions changer tout ensemble ici à Tortilla. Je suis donc venu vous porter ce message, Monsieur le maire, avec tous les administrés, toutes les femmes, que désormais, vous ne serez plus seuls. Désormais, nous serons à vos côtés et nous allons vous aider dans la mesure de nos possibilités. Parce que voyez-vous, souvent on pense que tout est compliqué. On pense que on ne peut pas sortir de la situation dans laquelle on est, mais c'est faux. Simplement parce qu'il n'y a pas d'organisation. Simplement parce que si nous sommes organisés, unis, solidaires, alors on peut déplacer des montagnes. On peut changer les choses. Donc je demande à vos mamans, d'abord je vous dis bonne fête et que je suis fier d'être ici à Tortilla. Je suis très content d'être ici avec vous ce jour de la fête des mères. Regardez comme elles sont toutes belles. Regardez comment nos mamans sont charmantes. Comment peut-on hésiter un seul instant de venir fêter avec vous quand on voit que vous êtes enthousiaste, vous êtes accueillant? C'est un pincement au cœur de ne pas venir fêter avec nos mamans et de rester à Abidjan. À Abidjan, les femmes ont quasiment un peu ce dont elles ont besoin. Mais quand on vient dans nos départements, on voit que nos femmes souffrent. Le maire a dit tout à l'heure, aller chercher l'eau, pénurie d'eau, les difficultés de déplacement. On pense qu'on peut ensemble, si on est regroupé, si on est unis, nous associer pour vous aider. Et si nous vous aidons les femmes, c'est nous-mêmes que nous nous aidons. C'est pour ça que je viens pour vous dire bonne fête maman. Bonne fête à toutes les mères de la sous-préfecture de Tortilla. Bonne fête, vous êtes adorables. Je vous embrasse tous. Je vous fais un gros gros bisou à toutes. Merci, merci et merci. Voilà. Le discours se passe des commentaires. Oui. Très succès, mais riche en. Oui, riche. Voilà. Un national. C'est un national, donc. Là, remercier donc toutes les femmes. Parce que je pense que vous avez des discours. Alors, on va continuer. Oui, on va continuer avec une escale. Oui, une escale. Un sticker. Acoustique toujours. Voilà. J'attends maintenant le bon enfant de Tortilla sur les ovations. Rapidement, bon enfant de Tortilla. Rapidement, vous attend.